Sud maintenant, double appel sur Skyrock. Merci à Chico, vous êtes nombreux à nous laisser des numéros de téléphone à appeler. Et là, nous avons testé les deux numéros de Chico qui nous appelait tout à l'heure. Il veut qu'on aille dans le Sud. Nous allons dans le Sud, nous appelons deux familles. Et vous connaissez le principe, hein ? On appelle, ça répond, ça sent gueule. Voilà, et nous on se tait et on écoute. On est un peu voyeur dans l'histoire. Mais on apprend beaucoup de choses sur les familles. Direction le Sud, tout de suite. On apprend à parler correctement. Ouais, ça c'est pas sûr. Hein. Allô ? Allô ? Oui ? Oui ? Mais qui c'est qui appelle ? Pardon ? Qui vous appelez ? Ah, moi j'appelle personne. On vient de m'appeler, je décroche, c'est tout. Mais qu'est-ce que vous êtes ? Vous êtes pas un peu fada, non ? Mais comment vous parlez ? Eh ? Non mais ça va pas votre tête de parler aux gens comme ça ? Mais qui vous êtes ? Mais qui vous êtes vous ? Vous appelez chez moi et vous me demandez qui je suis ? Mais qui vous demandez ? Qui vous demandez au téléphone ? Mais non, il faut pas décrocher, on va rappeler, on a plein de coups de téléphone encore à passer. Moi j'aime bien l'hystérique avec la voix cassée là. Elle est speed, elle, hein. Ah ouais, elle est déjà très très énervée au premier coup de fil, c'est pas mal. Hein. Je pense qu'il faut rappeler tout de suite les deux mêmes familles. Ah, j'ai eu peur, je croyais que c'était occupé. Ah bah, elle risque de craquer là déjà. Le premier coup de fil, elle est énervée. Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Oui ! Qui fait l'appareil ? Mais qui est-ce qui appelle comme ça sans arrêt ? Comment ? Quelqu'un a crié dans le téléphone. Oh là, la vie avec l'accent, elle a lucide et tout. Elle a pas crié, elle a hurlé. Quand il a crié dans le téléphone, elle comprend plus rien. Je sais pas ce qui se passe. Et l'autre qui est complètement hystérique, elle devient folle. Hein. Déjà au deuxième, troisième coup de fil. Flora a testé juste avant antenne, donc elle a peut-être aussi un petit peu énervé. Bon, on y retourne. Hein. C'était folle. Bah oui, mais ça marche pas avec elle. Hein. Qu'est-ce qu'elle va nous faire là ? C'est bon. Allô ? Oui ? C'est qui était l'appareil, s'il vous plaît ? Qui est à l'appareil, s'il vous plaît ? Mais qui c'est qui m'appelle ? Ça fait 15 fois que vous m'appelez dessus, que ça m'a raccrochonné ! Mais qui vous appelez ? Qui appelez-vous, là ? Allô ? Elle est hystérique et le mari, pareil, il hallucine. On a eu le mari de la dame. Il n'y croit pas, le monsieur. Hein. Ah non, mais c'est vrai qu'elle est surprenante. Hein. Elle a une vraie montée, là. Ah oui, elle a une montée, puis elle raccroche tout de suite et en pleine forme. Hein. Elle dit un mot, elle raccroche, clac. Attention. Évidemment, on y retourne, hein. C'est reparti. Les deux mêmes familles au téléphone. Allô ? Salut, vous êtes bien chez Mimi. Mimi Massy, bien sûr. Désolée, je n'ai pas d'escabeau. Je ne peux pas attraper le téléphone. Par contre, laissez-moi un message. Je vous fais un gros bisou, merci. Mais qui est à l'appareil, s'il vous plaît ? Déchire le répondeur, hein. Mimimati. Il déchire le répondeur. La dame, elle comprend plus rien du tout. On est chez Mimimati quand même. Ouais, moi je suis quand même impressionné. Ça mérite un autre coup de téléphone. Je sais pas, c'est le 7ème, le 6ème, je sais plus. Mimi, elle écoute de la techno. Elle va craquer, Mimi. Il faut qu'elle nous réponde, Mimi. Allô ? Allô ? Allô ? Le mari a repris le relais, l'autre elle en peut plus, elle craque, c'est la catastrophe. Hein. Petit coup de fil, un autre ? On y retourne. Allez, le 8ème. Elle n'en répond plus. C'est quoi ce truc ? Je me suis trompé. T'es trompé, Florent ? Ouais, je sais pas, c'est pas un fax, c'est un fax. Je sais pas, ils ont peut-être craqué, les deux ont mis le fax. Allô ? Oh con, j'en peux plus. Allô ? Elle va devenir complètement folle, elle va pas arriver à dormir toute la nuit, tellement qu'elle est énervée. Je vais craquer. Rappel ? Non. Un dernier ? Bon. Faudrait qu'on entende le répondeur une nouvelle fois. Ben, je sais pas, faudrait pouvoir rappeler. Donc ça on rappelle bien. Jusqu'à ce qu'elle nous laisse le répondeur et qu'elle craque. Hein. Allez, un autre coup de fil. On est là pour toute la nuit. Hein. Et Jack, ils ont raccroché les. La famille. C'est la famille ? Ouais. Tant mieux. Tant qu'on va avoir Mimi Mati au téléphone. Répondez. Yes ! Ouais. Ah, mais plus fort, plus fort. Vous êtes bien chez Mimi. Mimi Mati, bien sûr. Désolé, je n'ai pas d'escabeau. Je ne peux pas attraper le téléphone. Par contre, laissez-moi un message. Je vous fais un gros bisou, merci. Ça, c'est gentil. Faut laisser un message ? Ouais. Laissez un message à Mimi Mati.
Ça fait plaisir. Bonjour. Mimi, c'est Passepartout et Patrice Laffont. Et Passe-temps. Ouais, je suis Passe-temps, moi. Toi, tu fais Patrice Laffont. On te kiffe. On est à peu près de la même taille, on te kiffe, grave. Ouais, ce serait pour un rancard. Allez, décroche. 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 Voilà, craqué. Allez, Mimi. Voilà, on l'a fait craquer. Désolé. Le sud.